Coucou les cupcakes, je vous reprends, on est le mardi 4 avril, je vous emmène avec moi pour cette nouvelle journée, c'est parti. Ce matin, regardant, on a un Orphée pirate. Parce que aujourd'hui, ils fêtent les 100 jours de l'école et du coup, ils peuvent y aller costumés, donc voilà son petit costume. Et son petit maquillage de pirate. On a même fait un petit encre en mode petit tatouage, petite cicatrice, un petit peu noir sous les yeux. Petite dor, petite moustache et il a remis la même tenue qu'au carnaval avec sa belle épée que papa lui a fabriquée. Voilà. Coucou les cupcakes, je vous reprends, il est 9h30, j'ai fait un peu de ménage, il m'en reste encore pas mal à faire, mais voilà. Petite pause douche et outfit aujourd'hui, j'ai mis ce petit haut de l'amour que j'aime tellement que j'ai dessiné sur ma bannière. Je sais pas si vous avez vu, parce qu'il y avait une nouvelle bannière quand même. Et la petite jupette qui va avec, comme ça là, que je trouve vraiment trop mims. Et bah voilà, écoutez, je vais vous emmener avec moi pour cette nouvelle journée comme je vous disais ce matin. Là pour l'instant j'ai mis la lessive à tourner, j'ai vidé le lave-vaisselle. J'ai pas encore pris mon petit déj, je sais pas quoi manger, j'ai pas envie de manger de céréales, il reste que des céréales donc... Voilà, écoutez, bref, je vous emmène et let's go. Coucou, je vous reprends, il est 10h30, je suis devant Desperate Housewives et je vais prendre mon petit déjeuner. Je me suis fait du pain grillé comme ça avec du chèvre frais et un peu de poivre, un grand verre d'eau également parce que j'ai pas envie de boire autre chose. Et j'ai rangé la maison, étendu le linge, détendu le linge et tout, il me reste plus qu'à l'étendre, un haricot sauvage est apparu. Et voilà, bref, je vous emmène avec nous, let's go. Du coup, je vous reprends, il est 14h40, on crève la dalle, donc on va aller manger. On va juste passer au Lidl et au Carrefour, faire une petite course d'avant les grandes courses. Du coup, je vous montre ça tout de suite. Alors, je vais prendre seulement des petits déjeuners. J'ai repris avec lui, du coup, des gâches, parce que là, c'est en moins 50% parce qu'elles sont en basse course. Donc, on va aller manger, je pense, le goûter soir et puis le matin, je pense. Il y en a assez pour tout le monde. Et également des petits pains au lait. Voilà. J'ai repris une baguette de base. On a repris pas mal de goûter et tout, donc du coup on a repris des petites crêpes waouh comme ça. Des bonbons, on a pris des petits colas ainsi que des lutis comme ça. Sachant que c'est des bonbons en forme de paquet, demain on devrait aller au cinéma normalement. Et nous on aime bien mettre un paquet de bonbons dans notre sac à main et manger des bonbons dans la séance de cinéma. Voilà. Pour les goûter aussi, j'ai repris un lot de 2 paquets de barquettes chocolat noisette et 2 paquets du coup à la fraise. Ils adorent les barquettes les garçons. Chèvre chaud. Les 2 autres paquets de bonbons, du coup on a pris des crocos et des nounours. Également une petite tablette de choco comme ça, j'adore ça, je trouve ça trop trop bon, un petit grignotage plaisir pour moi. Et mon soeur, ma mère, si elle veut les deux. Et elle s'est pris du coup ce qu'elle n'avait pas goûté, elle, la Kong Strong, comme ça. Du coup c'est l'energy drink de chez Lidl en fait, comme ça. Et là c'est là la mangue, moi je l'ai goûtée, je la trouve beaucoup trop sucrée, vraiment, alors que j'adore la mango loco de mon soeur. Est-ce que je suis réellement objective? Est-ce que je suis trop amoureuse de mon sœur? On ne le saura pas. Moi, j'aime pas trop celle-ci. Il me semble que Charles avait trouvé très sucrée aussi. Brandon l'a trouvée bonne. Donc, Lulu, elle s'est dit moi, en fait, j'ai pas goûté. Donc, elle va goûter. Comme il n'y avait pas assez de bonbons. Non, mais je vous jure qu'il ne faut pas y aller. L'estomac vide, c'est une horreur. Hein. On a également repris des lots de carambars comme ça, colorés. On s'est dit qu'on allait s'appeler des bonbons d'avance. Et ça, on sait que la bonbonnière à la maison était vide. Donc, ça, on a testé les panda kawaii comme ça, qu'on a jamais goûté. Il y a framboise, cassis, pomme tropicale et bubblegum. Également ça, ça c'est notre petit péché mignon de vieille. On adore ça. Des mi-chocos. Je crois que ma mère aime ça aussi en plus. Oui. Désolée maman d'avoir dit que c'était pour les vieux. On adore les mi-chocos. Voilà. Je déteste le caramel, mais allez ça pourquoi avec le chocolat comme ça en mi-choco. Ensuite, pour la bonne conscience, de la salade à iceberg et des tomates cerises. En vrai, c'est parce qu'on avait très envie de manger une salade ce midi. Et après, on a repris des monsters. Donc, Sœur s'est repris une classique ainsi qu'une Pacific Punch. Qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, je disais, pour moi, il reste juste 2 monsters, désolé. Je disais une Monster Ultra Paradise et une Mango Loco. Je vais en entamer une juste maintenant. Et bien évidemment, aussi, je vais vous montrer. On a repris une bière comme ça pour chaque pour envoyer dans la maison. Bref, je vais ranger les courses et on va aller manger. Non, c'est moi en premier en fait. Je suis toujours au premier plan. C'est moi qui vais aller manger, non, on va aller manger et je vous montre ça, blablabla, vous connaissez le truc habituel, regarde sa grosse tête, voilà.
je vous reprends, il est 21h et quelques, comme vous l'entendez derrière, je suis devant Koh Lanta, serait partie se coucher, j'ai fait du risotto au curry et au lait de coco ce soir, les garçons ont mangé ça et sœur aussi, moi j'avais pas trop faim, et là je suis en train de me faire une pause donc, je me suis dit tiens ça fait longtemps, ça va sûrement encore pas tenir et me faire chier, mais why not en fait, j'ai sorti un nouveau pinceau également, je vais essayer de tester mon nouveau gel transparent comme ça que je n'avais pas encore essayé, j'ai jamais fait au gel de construction donc... Allez, tentons des choses. Je vais être déçue, mais c'est pas grave. Regardez déjà, j'ai mis des capsules pointues. Je trouve ça beau. Donc je vais faire ça tranquillement devant Koh Lanta avec le sœur. Et voilà quoi. Mouah. Heureux, je vous reprends. J'ai fait des ongles. C'est très approximatif une fois de plus. Hein, mais voilà ce que ça donne. Je fais des sucroses pâles un peu printaniers avec des cerises. Je trouve ça mimes. Mais en vrai, il y a un côté qui fait très grossier au niveau de la base et tout. Alors que voilà... Ça a dépassé un peu aussi, je vais attendre de me laver les mains. De toute façon, ils ne vont pas tenir longtemps comme d'hab, mais de loin en mouvement, c'est cute, non? Voilà, c'est tout. Ça m'a occupé, ça m'a fait du bien, j'aime bien avoir des griffes, donc why not? Recoucou mes cupcakes! Je vous reprends, on est le mercredi 5 avril. Voilà, regarde ma tête. En ce moment, c'est vraiment... Je suis plus sur du palmier, mais en ce moment, je suis sur du queue de cheval haute, you know? Je profite d'avoir des cheveux, en fait, pour l'instant. Quoi? Non, je rigole, pour l'instant je vais les garder, vraiment. Normalement. Après, on avait dit on attendait une coupe de cheveux longs pour faire une coupe mulet. Hein. Mais non, on va garder les cheveux pour l'instant, je les aime bien. J'aime bien faire des queues de cheval, donc voilà. Mes petits ongles de pétasse sont de retour, d'où les... qui vont vous énerver, moi j'adore. J'ai mis mon petit outfit printanier assorti, petit haut vert et petite jupette rose pâle. That's so cute. Maintenant, on va aller faire un petit make-up, je vais dire léger, pas du tout. Un petit make-up dans le thème, quoi. Et peut-être maquiller aussi le sœur. Oh, j'ai gros Nini qui fait des câlins. Et je ne vous ai pas dit l'heure, il est 11h45. Merci, sœur. Les garçons sont un petit peu devant la télé ce matin. On a pris le petit déj et tout. Ils vont bientôt manger. Il reste du risotto au curry. Et après, Brandon arrive vers 13h. Et on va aller au cinéma cet après-midi. On va aller voir Mario Bros. Trop hâte. Le cinéma, c'est pas trop mon truc de base, mais je sais qu'ils sont tellement contents. Et en plus c'est cool parce qu'on va avoir des trucs qui nous plaisent aussi à nous. Et ils aiment bien Mario, nous regarder jouer à Mario, donc bah, ils ont hâte de voir. Et le film ne dure que 1h30 et ça c'est cool parce que les films de 2 à 3 heures, c'est chiant. C'est chiant, excepté Harry Potter. Parce qu'Harry Potter n'est pas chiant, voilà. Bref, je vous laisse là, je vous emmène pour le make-up et tout. Let's go. That's cute. Je suis partie sur un printemps vibes. J'ai mis le fard Aline de la palette 1988 que mon sœur m'a offert. Je trouve ça trop mignon. Il est où le sœur? Juste ici. Bonjour le sœur. Oh là. Et regardez, si je tourne encore et encore et encore. Le Brani. Coucou. La team, la dream team si je puis dire. Vraiment une partie des meilleurs humains de la Terre. C'est tout, tout simplement. Voilà, ils font partie de mes humains préférés. Des humains que j'affectionne énormément. Et les deux bébés dans le canapé toujours. Voilà, il est... 13h, je pense que je vais grignoter un truc avant qu'on aille au Cinoche et voilà. Je ne filme pas, je ne sais pas où sont les gens, je ne vois... Hey. Je vous prends, il est 16h, on est dans la voiture, on a fini le film du coup Mario Bros au cinéma, qui était vraiment très très mignon, j'ai trouvé vraiment sympa, on a bien rigolé, je sais qu'avec Lulu il y a des moments où on a tapé des grosses barres de rire toutes les deux parce qu'on est cons en fait, ça nous a fait rire toutes les deux. J'ai vu qu'Orphée était plutôt dedans, tu étais aussi. Vous avez bien aimé les garçons? Oui. Oui. Bon, ça a l'air plutôt cool. Et toi Brani? J'ai bien aimé, mais je me suis peut-être endormie devant. Oui, j'ai entendu un moment il dormait, je le regarde, je fais ok, je pense qu'il a besoin de repos. En fait, c'est surtout j'avais chaud et la chaleur et la fatigue, moi, ça m'a... Ça te casse et ça t'endort, ouais, moi aussi. Mais bref, du coup, il était plutôt cool. Si vous aimez bien l'univers et tout, bah, je vous le conseille de ouf parce qu'il était vraiment sympathique à voir. Bref, on va rentrer à la maison, prendre le goûter. On vous
vous emmène, let's go.